So I'm here with Hans Loars, who's one of the shortlisted composers for the Corey Welsh College Composition Prize. Hans has written a piece called Aspects of the Sky, which I know Corey Band have really enjoyed rehearsing and performing. So Hans, tell us exactly where are you this morning? Alors aujourd'hui, je suis en France, à Angers plus exactement, dans les Pays de la Loire. Great. So can you tell us, Hans, a little bit about yourself? What's your connection with brass bands? And tell us something about your background, please. Donc je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais, région du brass band quand même, hein, proche de la Belgique. Et mon parcours s'effectue plus dans le côté classique, du musicien classique, puisque j'ai une formation d'orchestre symphonique. Je suis percussionniste dans un orchestre national, qui est l'Orchestre national des Pays de la Loire. Et j'ai fait mes études dans le Nord, et puis j'ai intégré le Conservatoire de Paris ensuite en classe de percussion. Et la connexion que j'ai avec le brass band, c'est que j'ai eu la chance de jouer plus d'une dizaine d'années au brass band de Douai, Douai Brass Band. Et j'ai participé à beaucoup de championnats, de belles rencontres avec de grands solistes, tout ça. Et c'est de cet ensemble-là qu'est venue la passion pour moi du brass band, que j'ai ensuite essayé de développer dans la région où je suis actuellement, donc les Pays de la Loire. Et j'ai la chance depuis 2018 d'être directeur musical du brass band des Pays de la Loire. Et donc à partir de là, j'ai vraiment eu la volonté de développer le mouvement brass band au maximum. Okay, so your piece, Aspects of the Sky, Hans, can you introduce your piece to our viewers and tell us a little bit about what you were trying to achieve in this piece of music? Donc pour l'Aspect of the Sky, l'idée, en fait, c'est venu vraiment naturellement. J'ai l'habitude de chanter des thèmes, des mélodies dans mon téléphone avant de dormir quand j'ai des idées de composition. Et puis un beau jour, une après-midi, j'ai réécouté un peu des mélodies qui avaient mûri pendant 2-3 ans peut-être. Et du coup, j'ai réécouté la cadence de cornet
qui est du coup le début de l'œuvre Aspect of the Sky. Et suite à ça, je l'ai retranscrit du coup sur papier et puis je me suis laissé porter. Et naturellement, je me suis rendu compte que je suis parti d'un style un peu sombre et ça, il y avait un éclaircissement au fur et à mesure. Et donc, l'idée pour moi, c'était de dire, je pars de quelque chose d'assez sombre et je vais vraiment, vraiment, vraiment sur l'éclaircissement à la fin avec le soleil, tout ça. Et du coup, avec les effets de percussion, le bâton de pluie et les effets cycloniques de phonium, par exemple, au milieu du premier thème, naturellement, il y a eu plein de petites idées comme ça, des images de ciel et donc j'ai essayé d'appliquer ça, donc de partir de l'orage vers le grand soleil avec l'arc-en-ciel entre deux, où il y a justement à ce moment-là un choral un peu remanié avec une rythmique de percussion. Great, it's a really really descriptive piece and really takes us on a journey from beginning to end. So you haven't heard the Corey band play this piece yet. But how do you feel about the Corey band performing your music? Alors c'est assez particulier parce que pour moi le Corey band c'est vraiment le brass band que je suis depuis une quinzaine d'années maintenant. J'ai toujours été super fan et c'est même un peu impensable pour moi. Je trouve ça assez dingue aujourd'hui de me dire que le Corey band va jouer ma pièce. C'est vrai que quand je me suis présenté sans prétention. Je me suis dit, voilà, si vraiment par chance, ne serait-ce que de la déchiffrer, déjà pour moi, c'était assez incroyable. Donc, d'être sélectionné et d'être en plus enregistré, pour moi, c'est extraordinaire. Et surtout que je sais évidemment que la qualité sera incroyable. Wonderful. Well, best of luck. And like I say, we've really enjoyed preparing your piece of music. So, thank you for supporting our competition, Hans Loas.